Lazare, reçois cette alliance, signe de mon amour. Rebelles progressent encore vers la capitale et les djihadistes imposent un islam auquel la tolérance malienne n'était pas préparée. Mais je sais qu'on va couper des mères. Mais on va couper aussi des têtes si le charia nous dit ça. Donc on n'a pas de complexe dans ça. Tu ne devrais pas chanter, tu ne devrais pas écouter, je ne devrais pas regarder un film comme ça. Ce n'est pas l'islam au Mali, c'est ça? C'est ça qu'on n'en souhaite pas. Et si le football était banni? Et si la musique était interdite? Et si tout ce qui faisait l'identité du Mali était soudain mis en péril?